Eh oui, nous revoilà avec Matt Canal. Nous avons comme thème aujourd'hui Fenêtre sur l'Outre-mer, France O. Cette fenêtre audiovisuelle France O restera-t-elle ouverte pour les ultramarins de l'Hexagone? Deuxième thème, de l'eau, toujours dans les échos. Le syndicat unique de l'eau résoudra-t-il ce problème complexe en Guadeloupe? Le SIAG est-il toujours sous perfusion? Troisième thème, vacances au pays. Avec les nouvelles réglementations gouvernementales, peut-on parler vraiment de vacances? Et oui, donc une nouvelle émission avec Mac Canal, l'émission d'Alain Louis. Alain Louis, bonjour. Bonjour mon ami Madré, comment vas-tu? Ah ben ça va, ça va, ça va. Ça va. Alors donc effectivement, nous avons aujourd'hui pas mal d'invités parce que disons qu'il s'agit de mettre en évidence l'actualité chaude de la semaine. Et donc, je vais juste rappeler nos invités aujourd'hui pour pouvoir passer débattre sur les différentes thématiques. Donc, nous avons Greg Germain, acteur. Nous avons Georges Boucard, qui est le porte-parole du groupe politique Paré. Nous avons René Beauchamp sur le plateau. Le docteur Malespine qui nous rejoindra dans un moment. Speronel, le psychologue bien connu. Et donc le député Max Mathiasin qui est aussi en visio. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Bonjour Alain. Bonjour bien. À Canal 10 et monsieur Mandré et à tous les autres. Bien. Alors monsieur Mandré, nous allons aborder ce thème, hein, fenêtre sur l'outre-mer. Je crois que ça sera très 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 passionné et passionnant. Parce que nous avons l'un des investigateurs, la personne de Greg Germain, qui mène un combat, je dirais un combat féroce, hein, concernant la fermeture de France O depuis un moment. Et il va nous nous porter un certain nombre de vérités, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que France O risque de disparaître. Bonjour, monsieur Greg Germain. Dites-nous en deux mots déjà dans un premier temps, avant de probablement passer à certaines petites questions plus détaillées. Que se passe-t-il vraiment aujourd'hui à France O? Il se passe que le président de la République a décidé. Donc, d'abord, je voudrais dire bonjour à Max Mathiasin et à tous les autres invités. Et bonjour à vous. Et puis surtout, ben, saluer les copains en Guadeloupe, les auditrices et les auditeurs qui sont là et que. Avec lesquels j'ai le plaisir de m'adresser pour la première fois sur Canal 10. Voilà, donc bonjour mesdames et messieurs. Alors pour répondre à ta question mon cher Alain, le président de la République, contrairement à ce qu'il avait annoncé avant d'être élu, avant d'être président de la République, contrairement à ce qu'avait annoncé le candidat Emmanuel Macron, a décidé de supprimer la chaîne France O et de supprimer aussi la chaîne France 4. Simplement, on s'aperçoit aujourd'hui que la chaîne France O s'est décidée, va être supprimée le 31 août, mais que France 4 continuera. Déjà, ça, c'est une première mauvaise manière. Maintenant, que représente France O pour nous, hommes et femmes d'outre-mer? France O est la chaîne qui était censée faire le lien social entre les ultramarins vivant dans les outre-mer et les ultramarins et les Français de France vivant dans l'Hexagone. Ça permettait que les uns et les autres sachent mieux ce qui se passait chez les uns et les autres. Pour les Français de l'Hexagone, mieux savoir ce que sont les Outre-mer. Pour les Outre-mer, mieux savoir quelles sont les réalités de l'Hexagone. C'est ça qui est aujourd'hui, c'est ce lien social, c'est cette rupture d'un pacte républicain qui a lieu. Je ne peux pas dire plus autrement que ça. J'ai pu apprécier un document que j'ai récupéré. Vous disiez une mauvaise décision prise sur de mauvais fondements. Oui, parce que c'est une mauvaise décision. Je crois qu'aujourd'hui, l'Outre-mer, et je ne vais pas être démenti probablement par le député Mathiasin, nous avons
je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaises manières qui sont faites aux Outre-mer. Je trouve formidable que nous soyons partis, que la France ait apporté son concours à l'île Maurice qui vit une terrible catastrophe écologique avec cet épandage de fioul dans l'océan Indien. Mais malgré tout, ça fait quelques années que nous avons des sargasses. Vous imaginez des sargasses comme ça au Touquet, par exemple, ou à la Baule? Ça fait quelques années que nous avons un cyclone qui est passé. Je crois que les choses ne sont pas encore réparées. Les congés bonifiés aujourd'hui qui ont eu ce problème-là. France Eau. Enfin, on s'aperçoit que les Outre-mer sont probablement les mal-aimés de cette République. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Monsieur le député Mathiasin, qu'avez-vous à dire par rapport à cette situation au niveau politique? Parce que tout en sachant que les parlementaires ont été reçus par le président Macron il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce qui est ressorti en fait de cette rencontre? D'abord, bonjour à tous et à toutes les auditrices et auditeurs. Je voulais vous dire que en fait, ce que vient de dire Greg est un parfait résumé de la manière dont les Outre-mer sont traités dans l'Hexagone et par le gouvernement. Il faut savoir, je pourrais ajouter en ce qui concerne nous les parlementaires, il faut savoir que nous avons été reçus par le président de la République à l'Élysée. Et ce sont, je ne parle pas seulement du parlementaire, mais il y avait également les présidents de région, les présidents de département, certains maires des grandes communes de la Guadeloupe et des Outre-mer, où le président de la République nous disait lui-même, en personne, que France Eau ne fermera pas, mais qu'il va mettre en place une commission qui sera composée de députés, de sénateurs ultramarins, où nous allons pouvoir donner notre appréciation sur la question de l'évolution de France Eau, mais que rien ne se ferait sans notre avis. Ensuite, nous avons eu une réunion au ministère de la Culture avec Mme Girardin et la ministre de la Culture de l'époque, et où nous avons examiné, on nous a rendu les éléments de l'audit qui avait été mené par un cabinet indépendant concernant les performances de France Eau, France Eau en France, France Eau dans les chaînes publiques et dans les Outre-mer. Il s'est avéré un point extrêmement important dans cet audit où il était question, on a mis en exergue le fait que France Eau produisait mieux avec peu de moyens, arrivait à faire beaucoup mieux avec plus, si je puis dire, plus de rentabilité, plus d'économie que les autres chaînes de public. Il s'avère que pendant que nous étions à cette réunion avec le député Servat, il y avait le sénateur Théophile, entre autres, eh bien moi je reçois sur mon portable une dépêche qui dit que Mme Ernaud est en train de réunir le personnel de France Eau pour dire que France Eau va fermer. Donc voilà un peu comment les choses se sont passées pour nous. Après d'autres menées, beaucoup de batailles, nous avons auditionné à l'Assemblée nationale j'ai presque envie de dire les agents de France Eau, la direction de France Eau, qui ont fait des propositions pour améliorer France Eau, pour faire vivre France Eau. Eh bien, rien n'y a fait. Le président de la République, le gouvernement, a décidé de fermer France Eau. Alors moi, j'ai déjà eu l'occasion de dire deux choses. Premièrement, que c'est une promesse d'avant-campagne, une promesse de campagne, une promesse du président de la République, une parole gouvernementale qui n'a pas été respectée. Donc, et ce n'est pas la première fois. Et pour simplement résumer, ne pas monopoliser la parole, Greg l'a bien dit, Greg Germain l'a très très bien dit, tout est plus difficile pour nous à l'Assemblée nationale, tout est plus difficile pour les élus ultramarins, et lorsqu'un texte arrive ici et voté avec des amendements ou des éléments qui ne sont pas à l'encontre des Outre-mer, je ne dis même pas qu'ils sont en faveur des Outre-mer, c'est parce que très souvent, à l'Assemblée nationale, nous avons livré un combat épique pour préserver un minimum de droits concernant les Outre-mer. Voilà, il y va par exemple, vous allez parler bientôt, nous allons parler du problème de l'eau. Souvenez-vous que c'est le président de la République qui avait promis lui-même qu'il y aurait de l'eau, vous l'avez diffusé tout à l'heure, 400 millions d'euros pour essayer d'améliorer la question de l'eau et du réseau en Guadeloupe, et nous attendons toujours. Donc voilà ce que j'ai envie de dire pour le moment. Voilà. Monsieur Manuel, vous oui, avez une alors, question. Les intervenants sur le plateau voudraient réagir, plus particulièrement Monsieur Boucard. Oui.
Ça va, Monsieur Boucard? Oui, bonjour à la population guadeloupéenne qui nous écoute. Donc, en tant que coordonnateur de la phase d'installation du pari, je voudrais réagir. D'abord, je veux dire à mon ami Greg Germain que j'apprécie énormément par le fait qu'il a donné, lui, une vraie visibilité à ce qu'on appelle les Outre-mer. Je voulais lui dire que le problème n'est pas qu'on nous aime ou qu'on nous aime pas. Le problème n'est pas que la République nous aime. Nous sommes dans la République et nous devons peser de toute notre proie de l'effort que font l'ensemble des parlementaires, de toute la force politique, de toute la classe politique, pour faire en sorte que nous revendiquions nos droits. Il ne s'agit pas de nous aimer ou que la République nous aime ou ne nous aime pas. Et il faut que aujourd'hui la visibilité dans les médias, eh bien, c'est un combat politique. Voilà, c'est un combat politique, comme il existe d'autres combats. Pour ce faire, ce que je voudrais rappeler, c'est que à la crise du Covid, nous avons bien vu que le choix du gouvernement s'est porté sur une continuation de France 4. C'est pas anodin. France 4, pendant la crise du Covid, a été un peu la chaîne un peu universitaire, un peu de l'enseignement. Ils se sont aperçus que cette chaîne pourrait continuer à exister pour diffuser un programme d'enseignement à l'ensemble de l'ensemble républicain dans lequel nous sommes. France O, par contre, il y a un véritable problème de visibilité de ce qu'on appelle les Outre-mer. Je crois que nous-mêmes, nous, en tant que partie de cette partie du monde, cette partie géopolitique, il faut qu'on arrête de nous appeler les Outre-mer. Nous ne sommes pas Outre-mer. Moi, je peux considérer que la France, qui n'est qu'une partie de la petite péninsule qu'est l'Europe par rapport à l'Asie, il faut déjà renverser les paradigmes. Nous sommes placés dans un confluent géopolitique où peut-être que les Outre-mer bientôt seront plutôt l'Europe par rapport au mouvement du monde. Donc il faut que nous-mêmes nous arrêtions de nous considérer comme Outre-mer. Il faut parler de France non continentale et de France continentale. Ça va changer les paradigmes de pensée et de faire en sorte qu'on nous respecte. Et que cette visibilité, c'est un combat. Greg Germain a mené ce combat, il l'a mené avec d'autres, il l'a mené avec Firmin Richard, on le mène avec un certain nombre d'artistes. Mais on ne va rien nous octroyer, on ne va rien nous donner. Il faut qu'on arrache, comme nous avons arraché les 40%, comme nous avons arraché un certain nombre de lois sociaux, il faut que les forces politiques, que les parlementaires, que la classe politique puissent écrire le droit, parce que le droit, c'est toujours la mesure d'un rapport de force. Donc n'attendons pas qu'on nous aime, agissons pour que nous soyons visibles dans l'ensemble républicain français. Nous arrivons déjà à notre première pause café. Allez, à tout à l'heure. Oui, et eh bien, à tout de suite. Hein. À tout de suite, 5 minutes. Alors la disparition de France, oui, mais c'est une grande perte pour les ultramarins. Pour l'humanité, je ne sais pas. Ouais, pour les ultramarins, je ne sais pas non plus. Ouais. C'est difficile ce débat-là, parce que à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je remets en perspective, pour expliquer la position, on est toujours en train de parler de rupture du contrat républicain, rupture du pacte républicain, mal aimé. On met toujours ça sur le plan émotionnel, affectif, symbolique, tout ce que vous voulez. Alors que ce sont des problématiques, je dirais presque de dystopie, qui posent un problème de positionnement fondamentalement, donc l'outre-mer, ce qu'on appelle fameusement l'outre-mer, par rapport à la France, et deux, un problème de posture dans les médias. Macron, qui de toute façon n'a pas plus sur ce domaine-là que sur d'autres, ne tient ses engagements, pas plus là qu'ailleurs. Alors sur le problème des postures, de positionnement, moi ce qui m'embête à chaque fois, c'est qu'on nous demande toujours un soutien, quoi que ce soit, dans la défense de quelque chose, mais jamais dans l'illustration. Or, l'outre-mer, comment il s'illustre? À travers des émissions, à travers une présence, à travers une qualité des hommes politiques, une qualité des prestations. Faut faire le bilan, faut voir. Vous savez que souvent dans les définitions des choses, on dit défense et illustration. On est toujours sur une position défensive, rarement sur une position d'illustration. Comme si l'illustration allait de soi. Non, ça va par un travail, ça va par une visibilité, ça va par une lisibilité, et ça, il faut qu'on l'affiche.
L'autre chose, c'est que dans ce choix-là, comme dans tous les autres choix, et Dieu seul sait si nos élus sont importants, on n'a rien à dire, on ne nous a jamais demandé notre avis, nous avons jamais été décideurs, là comme ailleurs, même pas en termes de consultation apparemment, et donc là je ne suis pas étonné. Et enfin le troisième point qui là m'interpelle beaucoup plus, c'est que là, c'est au niveau de la France a un vrai problème, la France continentale, a un vrai problème avec son identité nationale. Et c'est tout le débat qu'il y a actuellement au niveau de la France. Elle n'a jamais plus intégré les notions d'identité plurielle, les notions d'identité autre. Et là, on est dans quelque chose qui dépasse largement le débat outre-mer, qui est dans toute la mythologie qu'il y a maintenant, qui prend le dessus en France sur le séparatisme, etc., qui est comment prouver, comment démontrer son identité quand elle est elle-même éclatée historiquement par différents courants, et ça, par différentes sources. Et ça, c'est un problème franco-français, et non pas français d'outre-mer ou quoi que ce soit. Moi, ça ne me dérange pas du tout, parce que de toute façon, je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Si les autres outre-mériens ont besoin d'avoir une visibilité, il faut qu'on se donne, nous, outre-mer, les moyens, et on peut le faire, d'avoir cette visibilité. Il ne faut pas qu'on attende que ça nous soit octroyé ou assigné par d'autres. Il faut que maintenant, les questions se posent à partir de notre identité, de notre appartenance à nous-mêmes, et non pas à partir de choses qui vont nous être distribuées, reprises, en fonction des grés des politiques, plus ou moins dystopiques. C'est tout le débat du changement de paradigme. Effectivement, il faut changer la manière de voir. Nous sommes dans un confluent géopolitique, les choses bougent. Pourquoi nous allons nous considérer comme étant au-delà des mers? Nous avons déjà, comme disait de Pestre, encore une mer à traverser, nous avons déjà traversé ce nombre de mers. Aujourd'hui, nous sommes résilients de tout ça et nous jouerons notre partition dans l'environnement mondial comme n'importe quelle autre partie du mer. Il n'y a pas une partie qui est outre-mer, une autre partie qui est dans la mer ou dans le continent. Il y a une France qui est sur un continent européen, la France continentale, et une France qui serait une France non continentale, qui serait composée de différentes régions du monde. Il y a le plateau des Guyanes, il y a l'arc antillais, il y a l'océan Pacifique avec la Polynésie. On considère que c'est l'ensemble politique français. Mais ultramer, outre-mer, c'est toujours une connotation coloniale qu'il faut désormais changer. Et ne pas attendre, comme je le disais bien vraiment à mon ami Gojeman, ne pas attendre qu'on nous aime. On est là pour être là. Et comme disait le maire de Baltimore, je suis à Baltimore, je n'ai pas demandé à être à Baltimore, je suis à Baltimore. Alors, cette connotation coloniale s'ajoute maintenant en plus, c'est ça qui est malsain, d'une connotation victimaire qui fait qu'on confond complètement des débats qui sont des choix politiques importants, qui obéissent à des logiques strictement politiques et même pas économiques, parce que Mathias a bien montré qu'économiquement c'était viable, le modèle était viable, mais posons le problème là où il se pose, avec les gens qu'il faut. Allez, monsieur, oui, justement, René. Oui, j'aurais voulu qu'on laisse la parole à Greg sur ce sujet-là. Oui, je voudrais bien dire un petit mot, parce que je n'ai jamais été de ma vie une victime. Ça fait 45 ans que j'habite ce pays et que je m'y bats depuis 45 ans. Non pas pour revendiquer ce que je suis moi, les téléspectateurs savent qui je suis et ce que j'ai déjà fait. Mais je ne viens jamais seul au monde. Je suis arrivé de ma Guadeloupe, et j'imagine et je suis sûr que je suis porteur d'une identité que je dois faire valoir. Donc pas de victime. Depuis 23 ans, parce qu'il faut citer un exemple qui vous est propre, depuis 23 ans, je suis allé à la municipalité d'Avignon, j'ai trouvé un lieu et j'ai ouvert un théâtre pour les Outre-mer. Tout simplement les Outre-mer, parce que je ne peux pas dire pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Mayotte, je ne peux pas dire tout ça, donc je dis les Outre-mer. Ok, j'ai ouvert ce théâtre pour ça, depuis 23 ans. Pendant 2 ans, j'ai fait tout seul. Cependant, je suis français, et donc j'ai aussi un ministère de la Culture. Et depuis 20 ans, le ministère de la Culture m'aide du bout des lèvres, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que chaque année, bien que nous ayons fait la preuve que le théâtre était viable, que ça rendait service à mes compatriotes acteurs, actrices de là-bas, à mes compatriotes qui écrivaient des pièces de théâtre,
parce qu'en Guadeloupe, une pièce de théâtre, par exemple, n'est jouée que deux fois, ou trois fois, ou quatre fois, et que ça permet à mon compatriote de venir en France et de la jouer 23 fois, ça fait donc 22 ans que nous en faisons la preuve, eh bien, aujourd'hui encore, on me dispute ce droit. Alors, je ne veux pas jouer les victimes, je dis simplement, voilà ce qui se passe. Pour concerner France O, 70 parlementaires, et pas seulement les parlementaires des départements et territoires d'outre-mer ou de je ne sais pas comment vous voulez les appeler, ont signé une pétition pour dire que non. 80 000 personnes ont signé une pétition pour dire qu'il fallait le maintien de France O. Tout ça pourquoi ? Parce que France O permet d'entretenir le lien entre ce qui se passe en outre-mer, excusez-moi de dire ça encore, mais si vous voulez, je peux citer à chaque fois Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, etc., entre ce qui se passe dans ces pays-là et ce qui se passe en hexagone, et dans ce qui se passe pour les hexagonaux, pour voir un peu comment vivent les Outre-mer, pour que ça fasse du lien social. Donc il n'y a pas d'organisation, il y a simplement un pacte qui a été rompu par un gouvernement, alors qu'il y en avait un qui l'avait établi. C'est simplement ça, on ne demande rien, on ne demande pas à la Guadeloupe de se mettre à feu et à sang pour ça, j'imagine qu'il y a d'autres problèmes difficiles. En fait, c'est plus une volonté politique. Attention, il y a eu des sargasses, hein, ça fait je ne sais pas combien d'années, mais s'il y avait ça au Touquet, il y a longtemps que le problème serait résolu. Il y a eu des problèmes avec Saint-Martin, il y a longtemps que avec le cyclone qui est passé à Saint-Martin et partout, il y a longtemps que ce serait résolu si c'était dans l'Hexagone. C'est tout ce que je dis. Et moi, je ne reproche rien à nos députés, je peux vous le dire, car à chaque fois qu'ils arrivent à faire passer quelque chose, moi qui suis très au fait de ces choses-là, je peux vous assurer, messieurs, que c'est un combat féroce, mais féroce, à un tel point que je crois qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Alors, Jean-Claude, dis-moi, ben si ça si féroce, qui ça pas aller, mais ce n'est pas si simple. Je vous propose qu'on puisse écouter M. Beauchamp. Alain, oui, M. Beauchamp, oui. Ce que je veux dire sur ce problème-là, manifestement, c'est une décision politique. Il faut que nous soyons clairs, hein, quels que soient les termes qu'on peut employer, outre-mer, etc. Nous sommes des colonies. Et il s'agit des rapports de la métropole coloniale avec les colonies. Il y a un deuxième principe, c'est Mitterrand même l'avait dit d'ailleurs, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais certainement pas ceux qui les émettent. Et effectivement, on est de face à cette réalité-là. Pourquoi ? Parce que dans la politique mise en place par le représentant du colonialisme français, qui est le président de la République, France O n'entre pas dans sa politique. Ça ne correspond plus à sa vision de voir les choses. Bon, pour différentes raisons, ça c'est son problème, c'est son point de vue à lui. Et voilà pourquoi il, malgré la signature de tout le monde, 80 000 personnes, etc., il décide de supprimer France O et de mettre France O à côté. C'est les rapports de la puissance coloniale avec ses colonies. Elle peut lui donner une visibilité comme elle peut ne pas lui donner de visibilité selon ce qui correspond à sa politique qu'elle applique dans son pays. Et c'est pour ça que, même sur le problème des sargasses et compagnie, mais, et quels que soient les autres problèmes, hein, faut bien comprendre que la puissance coloniale s'occupe avant tout de son territoire et pas nécessairement de ses colonies. Ça veut dire qu'on peut avoir un problème de sargasse en Guadeloupe, on va se démerder avec, mais c'est nous à trouver nos propres solutions. Nous n'avons pas à compter sur la puissance coloniale pour la faire. En ce qui concerne le problème de France O, je comprends que toutes les migrations des colonies françaises qui se retrouvent en France, toute cette émigration, toute cette diaspora, a besoin de se retrouver à travers... La télévision a besoin de se retrouver à travers la diffusion, si vous voulez, de la culture, etc., parce qu'elle vit intérieurement et concrètement sa propre culture, et même si elle partage avec les autres cultures en France. Elle a envie de se retrouver. Je crois que la meilleure solution, c'est effectivement de pouvoir mettre en place nos propres moyens d'expression. Et ça, il faut que nous arrivions à le comprendre. Si nous avons besoin d'avoir une expression pérenne à travers l'audiovisuel, à travers les médias, etc., en France, en tant que diaspora, en tant qu'immigration, il nous faudra nous-mêmes construire nos propres instruments et ne pas attendre sous la puissance coloniale pour le faire, parce qu'elle ne le fera qu'en fonction de ses propres intérêts politiques et de ce qu'elle a besoin de faire passer ou pas.
Et c'est un peu ce que je peux tirer comme leçon de ce qui est en train de se passer. Mais c'est les mêmes problèmes qui se posent dans nos propres pays, hein, où nous n'avons pas à attendre que la puissance coloniale fasse pour nous. Nous devons faire marcher, en partant de notre propre réalité, nous devons compter d'abord et avant tout sur nos propres forces et oser penser et agir en Guadeloupe, hein, ou en Martinique, chez eux, de façon à construire nous-mêmes et ne pas attendre sur les autres pour construire Guadeloupe. Cette prise de conscience de la nécessité d'être responsable de son propre destin. Moi, je vais un peu nuancer, je ne partage pas tout à fait les propos de René Beauchamp sur les rapports entre la France et la France continentale, la France européenne et la France non continentale. Je dirais que cette prise de conscience de la nécessité de se prendre en main, elle vient d'être illustrée de manière magistrale par la crise du Covid. Nous avons bien vu que lorsque les approvisionnements peuvent être remis en cause par par cette pandémie qui met en arrêt l'économie mondiale, dont l'économie de la Guadeloupe fait partie, il y a nécessité de mettre en place des moyens de production permettant de nourrir la population. Et une des motivations qui a fait qu'un groupe de citoyens, autour des réflexions qu'a menées Éric Jalton dans la gestion quotidienne au plus près du citoyen à la mairie des Abîmes et à Cap-Excellence, c'est que c'était de nous dire qu'effectivement, il faut maintenant, plus que jamais, réveiller les filières d'agro-transformation, réveiller les filières agricoles pour permettre que ce pays-là se nourrisse et ne soit moins dépendant. Donc nous avons créé le parti autonome réformiste écologique, éminemment écologique. Greg Germain disait dans son propos la crise des sargasses. Mais la crise des sargasses montre bien que, là où j'ai un peu un différentiel avec René, c'est que la crise des sargasses, même si la Guadeloupe est dépendante, on ne va pas résoudre le problème tout seul. Nous sommes dans un monde d'interdépendance. Alors, je ne dis pas que l'indépendance, c'est peut-être une question de calendrier entre lui et moi, la prise de conscience que les problèmes écologiques sont des problèmes interdépendants, c'est des problèmes globaux. Le Brésil a un rôle éminemment important à jouer dans la résolution de la crise des sargasses. Pourquoi ? Nous avons fait venir aux Abîmes un prix Nobel alternatif, Raoul Montenegro, qui nous a expliqué que la crise des sargasses, c'est une crise, un cycle de 7 ans. Ce cycle de 7 ans va se reproduire de manière régulière parce que les problèmes de déforestation des berges de l'Orinoco, le fleuve Amazon, qui a un débit extrêmement puissant et qui irrigue la mer des Caraïbes, le fait de déforester, ce sont des nutriments des berges du fleuve qui alimentent comme de l'engrais, comme on a eu le problème pour les algues vertes avec les lisiers de porc en Bretagne. C'est exactement le phénomène, mais à l'échelle de l'Orénoque, vous imaginez, du bassin caribéen. Pour ce faire, il faut que ces problèmes-là soient résolus de manière internationale. Et donc, nous, petite Guadeloupe, seuls dans notre coin, on ne va pas y arriver tout seul. Il faut vraiment que nous soyons que la Guadeloupe puisse être effectivement être représentée à l'Organisation des États de la Caraïbe. Il ne faut pas qu'on ait un strapontin, il faut qu'on se batte. Et ça, c'est un rapport de force politique que nos parlementaires, que nos sénateurs, que nos forces politiques, que le mouvement nationaliste, que l'ensemble des forces politiques, le mouvement écologique, que nous arrêtions, que nous mettions autour de la table pour pouvoir peser de tout notre poids, parce que là, les lois sont toujours la mesure d'un rapport de force. Et les lois écologiques n'échappent pas à ce paradigme. Alain, on retourne en France. Oh. Alain, lui ? Oh. Oui, là, on m'entend. Là, oui, mais... j'avais coupé le son. J'aimerais effectivement revenir à France avec Greg, juste pour lui poser la question. C'est-à-dire, on dit que c'est la première chaîne multiculturelle française, émettant, comme vous le savez, 24 heures sur 24, sous le câble et le satellite, etc. Mais les prétextes avancés en réalité
pour supprimer France O, il semblerait que c'est un problème financier. Je sais que Greg Germain a probablement des chiffres à nous communiquer là-dessus concernant cette affaire de... Oui, j'ai certains chiffres, mais c'est vrai que si je réponds à M. Beaujean, il a raison. À partir du moment où on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. C'est vrai, le budget de France Télévisions, c'est 2,8 milliards. 2,8 milliards. France Télévisions, qui est constitué de la 2, la 3, la 4, la 5 et France O. D'accord ? 2,8 milliards. France O, c'est 25 millions, c'est-à-dire 0,8% de ce budget. On est bien d'accord. 25 millions, 2,8 milliards. On dit, on va supprimer parce que ça coûte cher. Bon, d'accord, on s'aperçoit que non, ce n'est pas vrai quand on dit, mais non, attendez, ça ne coûte pas cher, ça coûte 25 millions. Et ça produit mieux que les autres chaînes, parce que je ne vais pas me lancer dans des chiffres, ça n'intéresse personne, mais lorsque France 2 fait, par exemple, une captation de spectacle vivant, c'est 132 000 euros. Lorsque France O doit en faire une, c'est 25 000 euros. Quant à nos premières, lorsqu'ils doivent en faire une, c'est 19 000 euros. On ne va pas arriver là-dessus. Donc, 2,8 milliards, 25 millions. Et on dit que ça ne fait pas assez de part d'audience, pas de part de marché. Ça fait 0,6 sans avoir calculé ce que ça fait comme part d'audience dans les Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Donc, ça veut, et ensuite, on met en place une chaîne qui s'appelle France Info, qui coûte 75 millions et qui fait moins de part d'audience que France O. Ce que je vais encore ajouter, et puis il faut qu'on aille un petit peu plus loin, c'est qu'on nous dit, mais vous allez voir, France O, c'est formidable, on va la mettre sur le web. C'est-à-dire qu'on va mettre sur un portail numérique, vous voyez comme moi comment ça marche le numérique, ce que vous produisez avant pour mieux faire connaître les Outre-mer. Quand on connaît la fracture numérique abyssale qu'il y a dans nos départements, dans nos pays d'Outre-mer, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, on s'aperçoit bien que ce portail Outre-mer, c'est encore un enfumage total. Donc voilà ce que j'avais à dire, hein, Alain, si tu m'as demandé des chiffres, c'est cela que je peux donner. Oui, mais et nous savons que ce sont les bons chiffres. Ah oui, ce sont les bons chiffres. Le député Mathiasin, pour aller, puisque ce sont les mêmes chiffres sur lesquels nos élus et d'autres parlementaires, je dis bien que ce ne sont pas que les élus d'outre-mer qui se sont rendus à Oumoum. Ce sont des, il y a eu 80 parlementaires qui ont décidé de dire que François était utile pour, ce que je répète encore, le lien social qui peut exister entre nous qui sommes dans cet hexagone, dans cette France continentale ou France européenne, et ceux qui sont dans le reste de l'archipel France dans les Guyanes, dans la Caraïbe, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Donc il y a eu ce combat féroce de les députés, ça n'a pas marché. Bien. Mandré. Alain, oui. Du côté de la technique, je crois qu'il y a le directeur général de TV qui essaie de nous joindre. Emmanuel Garnier, est-ce qu'il est déjà en ligne ? Oui, apparemment, oui, il est en ligne, oui. Il est en ligne. Alors, bonjour, Monsieur Garnier. Allô ? Bonjour, monsieur. Oh, est-ce qu'il nous entend, là ? On ne l'entend pas, là. Hein. Allô ? Oui, maintenant, oui. Allez-y, monsieur. Bonjour, Emmanuel. Je sais pas. Allô? Oui, on vous entend. Oui. Tu es en direct. Alors, la question que j'aimerais te poser. Voilà la question, Alain. La question pour Zouk TV. Oui. La question que j'aimerais te poser. Quelle est la situation? Oui. Voilà. Bah, écoutez, moi, les nouvelles que je peux vous donner aujourd'hui sur Zouk Télévision, c'est que le CSA avait décidé de manière arbitraire donc de nous supprimer l'autorisation de la TNT pour l'attribuer à une autre télévision qui n'a toujours pas pu démarrer. Donc, mais sinon, nous continuons à diffuser sur le canal SAT, sur le câble, et bientôt, donc, toute télévision continue son travail. Allô ? On vous écoute, oui. Oui, on vous écoute. Allez-y. Donc,
Oui, mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, je ne sais pas, il n'y a pas de question. Vous continuez la lutte. Il y a-t-il un réel danger? Fais attention à ce qui se passe aussi en Guyane. Il y a une radio qui s'appelle Radio 2000, en ce moment, qui est aussi en train de... Ils ont des difficultés. Et je crois qu'il faut véritablement que les politiques de la Martinique, peut-être de la CPG aussi en Guyane, comprennent qu'il faut éviter les radios et les télévisions privées, parce que finalement, quand les médias entiers vont disparaître, quand les Guyanais vont disparaître, après on sera étonné que nous puissions plus avoir une chance qu'on fasse du tambour, qu'on fasse certaines choses. On va se retrouver dans une situation parce que il n'y aura plus de médias pour défendre la culture. Moi, je me dis que quand même, c'est relativement grave ce qui se passe là. Oui. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour vous en Guadeloupe, parce qu'on ne sait pas nous faire un discours. On va revenir à ce sujet. Mais je sais qu'en Guyane et en Martinique, surtout à 2000, et KTV aussi, Kourou Télévision en Guyane, nous avons ce genre de soucis-là. Mais enfin, nous sommes justement en train d'évoquer ce genre de problème, notamment avec Greg Germain et tous les autres invités, hein, concernant le problème de l'audiovisuel. Je dirais, bon, pas gérés, mais dont les principaux acteurs sont, je dirais, entiers. Et donc aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'il y a un combat relativement féroce, comme disait Greg Germain, à mener, de manière à ce que nous puissions être mieux vus, que ça soit sur le petit, même aussi concernant le grand écran. Oui. Allez, oui, Esperonel voulait intervenir. Oui. C'est par rapport à ce que disait Greg. Et très justement, et de manière, je dirais presque dramatiquement. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre notre position, je crois qu'elle est partagée. Le problème n'est pas sur le modèle économique. Le modèle économique est, comme disait Greg, extrêmement viable, extrêmement solide, extrêmement performant, efficient, productif, rentable, on appelle ça tout ce qu'on veut, et rationnel. Donc le problème n'est pas sur le modèle économique. S'il n'est pas sur le modèle économique, où est-ce qu'il est? Il est sur la modélisation politique qui suit le modèle économique. Et cette modélisation politique, elle passe par quoi? Elle passe justement par ce que Greg dit aussi, qui est le lien social, la cohésion sociale que cela permet. Mais attention, quand tu parles de cohésion sociale, de lien social à partir de l'outre-mer, tu mets en concurrence dans la France hexagonale aujourd'hui les porteurs d'identité nationale. Et c'est ça le problème. La France, pour des raisons d'évolution, je ne sais pas. Et c'est ça le grand problème de tout le dévoilement dans lequel qu'on vit actuellement à droite et à gauche. C'est que la France ne peut pas supporter une concurrence sociale, une concurrence culturelle au modèle dominant. Ceci dit, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il y a des textes qui remontent. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant avec les Bretons, avec les Occitans, avec tout ça. C'est pas possible actuellement pour un certain nombre de raisons. Et donc, il faut tuer littéralement tous les modèles secondaire, je dirais, périphérique, pour que l'image, le modèle national soit hégémonique. Mais... Allez, nous arrivons à notre deuxième pause. Oui, juste ajouter que c'est brutal, mais ben c'est oui. Vrai. Mais oui, mais oui, vrai, Greg, bien sûr, Greg. Ouais. S'il te plaît. Oui. Ben, rapidement, parce que là, oui, on arrive. Rapidement, là. Mais je voulais dire avec Germain qu'il n'est pas question de dire qu'on n'est pas solidaire. Mais bien sûr. Des problèmes qu'il pose. Au contraire, nous sommes extrêmement solidaires. Mais personnellement, je pense qu'effectivement, tant que nous n'aurions pas la possibilité, la capacité, même en tant que diaspora, en liaison peut-être avec les différents territoires concernés, tant que nous n'aurons pas la possibilité d'avoir et de mettre en place économiquement nos propres moyens d'expression à ce niveau-là, nous nous trouverons automatiquement, si nous dépendons de l'État français, à la merci des politiques mises en place. Ça veut dire que maintenant, le problème tel qu'il se pose de manière cruciale, c'est au-delà de la prise de conscience, si on s'arrête à la prise de conscience.
c'est donc maintenant les schémas d'action, les plans d'action qu'on met en place pour faire changer l'ordre du monde. Non pas à partir d'une assignation, mais à partir de nous-mêmes. Nous arrivons à notre deuxième pause café. Très bien. À tout de suite. Et nous revoilà avec France O et Greg Germain. Allez, vous êtes avec nous là, toujours là. Alors, toujours, plus que jamais, plus que jamais. Oui, je, alors, sais, mais, je sais. Et moi, j'aimerais simplement poser une question à Greg, enfin à tous les, toutes les personnes du plateau. Concrètement, en votre âme et conscience, quoi faire aujourd'hui par rapport aux difficultés qu'on rencontre l'audiovisuel, qu'on rencontre la filière audiovisuelle et professionnelle, les artistes, les acteurs, les chaînes de télévision, etc. Concrètement, à votre âme et conscience, qu'a pour nous faire aujourd'hui jour? À qui, Greg, si tu... Un problème extrêmement difficile, Alain. Il passe évidemment par tout ce que les interlocuteurs qui sont sur le plateau ont dit. Effectivement, essayer d'avoir... changer de paradigme, bien sûr, essayer d'avoir ses propres productions. Car ce que je crains aujourd'hui, ce n'est pas tellement la disparition. Franco va disparaître. Cela est acté et fait. Cela dit, ce qu'un président ou qu'un gouvernement a fait, un autre gouvernement, un autre président peut le défaire ou le refaire. Nous sommes bien d'accord avec cela. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que faites attention en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, enfin partout où il y a des premières qui sont les bras de la France, de France Télé. C'est appelé à disparaître, à mon sens. Parce que de moins en... comme France O servait un petit peu de centrale d'achat. Pouvait-il dispatcher des émissions, des programmes dans toutes les Outre-mer. Ce qui a apporté à la Guadeloupe ce qu'on fait en Nouvelle-Calédonie, ce qui a apporté à la Guadeloupe ce qu'on fait à La Réunion, ce que nous ne faisons pas comme échange. C'est France O qui centralisait et qui faisait ce genre d'échange. De même que les productions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, etc., qui sont d'excellentes productions, pouvaient passer en France. Aujourd'hui, écoutez-moi bien, avec la disparition de France O, les premières, ce qu'on appelle les premières, vont petit à petit se rétrécir sur elles-mêmes. Très vite, le législateur va dire, écoutez, ça coûte beaucoup d'argent et ça n'a pas beaucoup d'audience parce que, par exemple, Canal 10 est plus regardé que la première ou je ne sais pas quelle autre télévision privée en Guadeloupe. Ce qui signifie qu'à un moment ou à un autre, les premières aussi vont devoir s'arrêter parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il n'y aura plus de services publics audiovisuel en Guadeloupe, ou si peu que ça ne sera rien du tout. Donc, c'est ce que je veux dire, et que plus que jamais, il faut que nous fassions attention à ça. Je veux simplement rappeler aussi, il y a moins de 6 mois, Gérald Darmanin a dit que la redevance de télévision, on ne devrait pas la payer. Si on ne paye pas de redevance de télévision, ce que je conçois très bien, il y aura de moins en moins d'argent pour la télévision et partant. De moins en moins d'argent pour les Outre-mer. Oui, oui. Je vous laisse un mot. Non, je pense que là, Greg, je m'en touche quelque chose d'important. Bien, oui, c'est pas la peine. On va pas lire dans le Marca Café, mais oui, les premières vont disparaître, je suis absolument persuadé. Et la raison, c'est laquelle? Par nivellement technologique. De même que maintenant, tous les centres d'accueil en Guadeloupe, je parle de la Guadeloupe, tous les centres financiers pour payer EDF, pour payer le téléphone, maintenant c'est fait à Limoges, c'est fait à Rennes, etc. Il y a donc une évolution irrémédiable du monde technologique qui va aplatir la Terre et recentraliser tout sur la France. D'où effectivement le problème qui nous est posé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on prend acte, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, cette fois-ci, au-delà des discours, concrètement, objectivement, se donner les moyens de créer, d'avoir notre propre production. Et ça suppose qu'on passe à un autre niveau de solidarité, à un autre niveau. Alors, non plus dans des rapports de codépendance, je te tiens, tu me tiens, mais dans des rapports d'interdépendance, qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble? Et la question nous est posée aujourd'hui, à notre génération, aux générations à venir, parce que inéluctablement, le monde qui se met en place sans nous. Pour ne pas disparaître en tant qu'entité et poser le problème de la visibilité de la France non continentale dans l'ensemble français et dans l'ensemble européen. Il ne faut pas oublier quand même que nous appartenons aussi
nous sommes dans l'ensemble de l'Union européenne. Et l'Union européenne a quelques moyens. Vous savez, la politique, c'est toujours la mesure d'un rapport de force. Sauf qu'au temps combat politique, la visibilité de cette partie du monde, elle dépendra de nous. Et personne ne la fera à notre place. Ce sont les combats que nous menons. Et l'écologie politique ne peut pas être absente de ce débat-là. On ne peut pas construire un citoyen dans une cité, qu'on veut durable, sans que le rôle des médias soit extrêmement bien posé au cœur de l'information. Le paysage audiovisuel national est en pleine mutation liée à ce que mon ami Féodel disait sur le poids de la technologie, des évolutions technologiques. Il en est de même pour les taxis, avec l'ubérisation. On est dans une véritable mutation. Quel est le rôle de l'homme dans cette mutation? Et l'écologie a des réponses à porter. Là. Ce n'est pas par hasard que nous disons, les écologistes, c'est qu'il faut que le principe de subsidiarité, c'est-à-dire prendre la décision au plus près du citoyen, il faut que ce principe, qui est un principe édicté par l'Union européenne, nous la mettions en application. Et c'est valable pour l'audiovisuel, c'est valable pour l'agriculture, c'est valable pour la lutte contre le réchauffement climatique. C'est penser globalement le monde, mais agir au plus près du citoyen. Et cette représentation, c'est un ensemble, en fait, tous ceux qui sont dans nos diasporas, entre guillemets, ont aussi, comme Greg Germain, comme il l'a commencé à le faire, comme ils le font, avec Firmin Richard, avec un certain nombre d'autres personnes, regroupez-vous. Et c'est un rapport de force. Et ce qu'un gouvernement a fait, un autre gouvernement peut le défaire. Et les écologistes que nous sommes, nous allons nous battre au niveau hexagonal, au niveau de la France non continentale, pour faire en sorte que cette visibilité, eh bien, elle émane des territoires. Elle émane des territoires. Et c'est là, il n'y aura même pas de débat. On aura cette visibilité parce que nous aurons le rapport de force politique en faveur d'une vraie représentation de cette France non continentale. C'est pour ça que j'ai bien parlé dans mon propos liminaire de changer le paradigme. C'est absolument nécessaire. Parce que tant qu'on va rester enfermé dans une vision, un espèce d'à côté d'un autre, un tiers lieu qui serait l'outre-mer, par rapport à une France continentale qui aurait une espèce de domination eurocentrée, eh bien, tant que nous sommes dans cette vision-là, qui n'est pas une vision écologique, nous aurons ce type de problème pour pouvoir assurer cette visibilité. On a très bien compris vos propos, M. Poupard. M. Mathiasen, ensuite M. Beauchamp, parce qu'on doit revenir avec M. Boucard pour plus de détails concernant, en tant que porte-parole du mouvement Paré. Et Dr. Vincent Grec, on terminera avec toi. C'est absolument passionnant ce que j'ai dit, les intervenants sur le plateau, c'est formidable. Je trouve ça formidable. Et moi, là, Monsieur le député, vous avez la parole. Alors, j'ai beaucoup entendu certains sur le plateau ont dit que nous avons effectivement un problème de visibilité. D'autres ont dit qu'il faut que nous allions vers nos propres productions. Et puis, j'ai noté que nous avons dit aussi que c'est l'objet d'un rapport de force. Mais je constate que chacun d'entre nous parle, d'abord nous parlons des Outre-mer ou des pays qui sont très, très dissemblables. Par exemple, il faut savoir que ce qui nous préoccupe en Guadeloupe ou la manière dont nous abordons les problèmes en Guadeloupe ne sont pas forcément la manière dont les problèmes sont abordés en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, etc. Je ne vais pas tous les citer, comme dirait Greg. Et puis, nous disons qu'il y a, que nous pouvons changer de paradigme. Mais ce qui me touche aujourd'hui le plus et qui attire mon attention, c'est que le fait que nous ne parlions pas de la société civile. D'abord, je vous ferai remarquer que les élus majeurs, parce que quand nous disons qu'il faut nos propres productions, les élus majeurs, je veux dire, les conseillers régionaux, les conseillers généraux et les départementaux, qui sont élus d'institutions qui peuvent prendre des décisions, eh bien, on remarque que les présidents, à part Mme Borrell qui a fait un communiqué, mais je vous dirais que les présidents de ces institutions, les présidents de ces collectivités, sont absents, profondément absents de ce débat. C'est comme si ça ne les intéresse pas du tout.
Deuxièmement, comment pouvons-nous agir si nous n'avons pas avec nous la société civile? Nous parlons de partis politiques, nous parlons d'entités, etc. Nous disons qu'il faut... Mais si nous n'avons pas, pour changer le rapport de force, nous n'avons pas avec, si nous n'avons pas avec nous la société civile, c'est-à-dire les Guadeloupéens, pour ne parler que de la Guadeloupe, parce que les choses passent au-dessus de leur tête, ils ne sont pas mobilisés, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas mobilisés sur le terrain. Nous nous contentons de déclarations à la radio, à la télévision, etc. Mais à quel moment nous avons saisi notre peuple par une pétition qui circulerait même en Guadeloupe, en Martinique, etc. Il y a une pétition qui circule sur le plan hexagonal, mais pas ici. Par conséquent, je me dis, tout ceci est très bien, mais c'est la première fois peut-être dans l'histoire de nos territoires que je vois une classe politique qui s'est présentée aux élections où il y a eu le changement de nombre important de maires, où tous les maires de la Guadeloupe ont fait campagne en disant « je ferai ceci, je ferai cela, je mettrai par exemple, je ne sais pas moi, je m'arrangerai pour mettre un kiosque de tourisme sur la place de la mairie, etc. » Que des éléments factuels, aucun élément d'ordre idéologique, aucun élément d'ordre, je dirais, doctrinal, aucun élément d'ordre doctrinal, rien du tout. Autrement dit, on ne convoque pas la société civile, on parle beaucoup de citoyenneté, mais on ne convoque pas la société civile, on ne l'informe pas, on ne la mobilise pas sur les grands problèmes qui sont les nôtres. Et comme pour d'autres, le problème de l'eau, comme pour le problème, je ne sais pas moi, des ordures ménagères ou des transports, eh bien, le problème de l'audiovisuel ne peut pas se résoudre, ou ne peut pas progresser. Nous ne pouvons pas faire revenir, nous ne pouvons pas faire revenir en arrière sur le gouvernement si nous n'avons pas la société civile derrière. Merci. Autrement dit, le peuple. Monsieur Beauchamp. Oui, non, je voulais d'abord dire que le peuple n'a pas attendu qu'on lui dise pour faire. Ça, c'est un. Puisque à l'heure actuelle, et depuis la crise du Covid, on a pu le constater encore avec beaucoup plus de force, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par les Guadeloupéens dans différents domaines et secteurs qui tentent à poser leurs propres problèmes en fonction de nos réalités pour pouvoir arriver à leur à avoir un certain nombre, à mettre en place un certain nombre de choses hors des circuits communs. Et ça a pas commencé avec le Covid-19, ça a commencé depuis avant, que ce soit du côté de la pharmacopée guadeloupéenne, que du côté de l'éducation, que du côté de l'agriculture, et en particulier des coopératives et des moyens de distribution au niveau de l'agriculture. Donc, la société civile, comme on dit, qui en fin de compte, les gens du peuple, hein, le peuple guadeloupéen n'a pas attendu pour agir. Maintenant, la volonté politique, il faut la créer. Et il faut la créer, et il faut rassembler tout ça, et faire de tout ça une véritable volonté politique de s'appartenir et de mettre en place des stratégies, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan social, qui nous permettent de maîtriser notre développement et d'avoir notre propre destin en main. Malheureusement, dans la campagne électorale dont parle le député Mathias, hein, c'est pas ce qu'on a entendu. La plupart de ce qu'on a entendu, ça avait... Mais tu me donnes raison, finalement. Et du clientélisme pour pouvoir et utiliser les situations de détresse dans lesquelles se trouve notre peuple à cause des politiques irresponsables mises en place dans ce pays depuis des décennies pour pouvoir arriver à jeter ses hauteurs, pour pouvoir mettre d'autres à la place sans pour autant aborder le fond des problèmes et résoudre le fond des questions. Quand nous parlons de la situation actuelle et quand nous parlons de l'audiovisuel ou autre, il faut bien comprendre que si nous ne nous prenons pas en charge nous-mêmes, et c'est ce mouvement que nous sommes en train d'impulser à l'heure actuelle, si nous ne nous prenons pas en charge nous-mêmes, si nous ne commençons pas à rassembler toutes nos potentialités, à la fois sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, sur le plan financier, pour pouvoir mettre en place nos propres modes de développement, eh bien nous resterons dans cette société de consommation qui est une société qui combat et la production et la possibilité pour les Guadeloupéens d'entreprendre dans leur pays et nous resterons dans une situation de dépendance à la fois politique et organisationnelle. Il faut sortir de cet état de dépendance et nous prendre en charge parce que ce ne sont pas les autres qui pourront résoudre cette question à notre place. En ce qui concerne la diaspora qu'il y a en France, des différents pays colonisés par la France,
cette diaspora, elle n'a pas une unité entre elles. Ça, c'est vrai. Moi, je ne parlerai pas ni au nom des Réunionnais, ni au nom de ceci, etc. Mais elles ont droit à leur expression. Elles ont droit, puisqu'elles sont dans ce pays, la France, elles ont droit à pouvoir s'exprimer. Et c'est ce qui est important. France O, c'était pour un moyen, non seulement de s'exprimer, mais d'avoir ce lien avec leur pays d'origine. Il faut que cette conception, ce travail de visibilité puisse se continuer et puisse se continuer à partir de leur propre force et non pas attendre sur un service d'État qui, selon les politiques mises en place, ou bien favorisera ça parce que ça correspond à son orientation et à son utilisation à ce moment-là, ou bien parce que ça ne correspond pas à ses besoins, fermera ça. Donc c'est ça le fond du problème, c'est avant tout s'appuyer sur nos propres forces pour pouvoir construire. Personnellement, moi, je suis guadeloupéen et caribéen, je ne suis ni français ni européen. Je suis colonisé français, oui. Ouais, Monsieur Spironet, une question à Greg Germain. Est-ce que la diaspora est vraiment mobilisée pour France O? Une seconde, j'aimerais justement avoir l'appréciation de notre psy Spéronel concernant ce que le courant de pensée de M. Beauchamp. Comment vous voyez ça, monsieur le psy? C'est une consultation. Si c'est une consultation, c'est un autre moyen. Non. C'est la solidarité. Non, si tu veux. Le problème qu'on vit, et quand je dis on, je parle en termes de français. C'est la confusion qu'il y a entre les entités et les identités. Et que donc actuellement, nous sommes dans un échange qu'un écrivain marocain, je crois, Amin Malouf, a appelé des identités meurtrières. Parce que, et aussi, bien sûr, il y a un autre texte qui peut nous concerner sur les économies marchandes. Émotionnelle. La géopolitique des émotions. Donc, actuellement, ce qui se passe et qui est terrible qui va se passer au niveau de la France, c'est que faute d'arriver à faire d'une certaine unité sur une identité partagée, les entités risquent de partir chacune de leur côté. Et c'est ce qui se passe actuellement dans toute la problématique des déboulonnages, qui sont des problématiques de dévoilement des entités au nom d'une identité qui n'arrive pas à se mettre en place. La France est un pays pluriel. La France est un pays riche. La France est un pays, mais il y a une lutte actuellement entre sa verticalité, qui est politique, et son horizontalité, qui est socioculturelle. Donc moi aussi, je rejoins... Non, mais pour répondre à la question, mais qui n'est pas une question de psychologue. Je suis exactement comme René. Je suis guadeloupéen, je suis caribéen. Mais ça ne m'empêche absolument pas de dire aussi que je suis français et européen. Voilà. Bien, monsieur Moukar, j'ai posé une question. Est-ce que la diaspora est vraiment mobilisée? Parce qu'il n'y a pas que Greg Germain. Hein, donc, Non, loin de là. Non, oui. C'est toujours la même chose. Il y en a qui parlent au nom d'autres personnes qui ne veulent pas parler parce qu'elles ne savent pas bien. Mais enfin, on va être clair. Je ne veux pas sauver France O pour que France O reste ce que France O était. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la belle idée que le premier législateur, quand il a mis France O en place, voulait, c'est-à-dire cohésion, lien social, tout ce que les interlocuteurs, les invités du plateau ont dit. Cette belle idée a été battue en brèche par la technostructure de France Télévisions, par les différents présidents, par les différents directeurs éditoriaux, rédaction, culture, sport, machin, etc., pour que France O devienne finalement une chaîne qui est le déversoir ou le rebut de tout ce que le service public ne voulait pas, de tout ce dont le service public 2, 3, 4, 5 ne voulait pas. On l'envoyait sur France O. France O aujourd'hui, vous savez quoi? Ils sont en train de diffuser Plus belle la vie, la 14e diffusion de Plus belle la vie. Donc, on voit bien que le France O que le président de la République veut supprimer est une chaîne qu'on peut effectivement supprimer. Ce que nous disons simplement, c'est que France O méritait de devenir autre chose. D'ailleurs, ça rejoignait ce qu'a dit M. Boucard, n'est-ce pas, que France O devienne une véritable entité, puisse pouvoir travailler avec les autres Outre-mer selon une direction
qui serait donné et non pas sous la direction de France Télévisions. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on nous a quand même dit, oui, on vous supprime François, mais vous aurez un pacte de visibilité sur les autres chaînes. Ça, pour moi, c'est un pacte d'invisibilité, pas de visibilité, mais d'invisibilité. Et ensuite, on nous a dit, vous allez voir le portail Outre-mer sur le web, ça va être génial. Je répète, depuis tout à l'heure, en France, il y a 25 000 sites pour la 3G, la 4G et la 5G bientôt. En Outre-mer, c'est comme ça que je suis obligé, il y en a 221. Donc ça veut dire que ma pauvre maman, et elle est partie évidemment depuis 2 ans, ma pauvre maman ne pourra jamais regarder ce que nous faisons en France sur son web ou son ordinateur. Donc vous avez raison, messieurs, il faudrait trouver un modèle économique qui fasse en sorte que nous passions de France Télévisions. Malheureusement, ça n'est pas si simple. Bien. Monsieur Boucard, juste un petit mot. Là. Bien. Parce que nous arrivons. Oui, allez, on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Hein. Oui, mais juste avant, avec Boucard, comme tu viens de dire, un petit mot rapide, précis, concis sur le pari. Oui. Alors, mais le pari est vraiment la résultante de toutes nos discussions. Vous voyez, effectivement, il faut aujourd'hui questionner la société guadeloupéenne. Il faut qu'elle se questionne. Et à l'issue de ce questionnement, une des réponses qu'un groupe de citoyens autour de d'une action municipale, avec une communauté d'agglomération qui a quand même un poids important politique, économique, c'est la communauté d'agglomération Cap Excellence, nous n'avons pas rêvé d'écologie. Nous faisons l'écologie en Guadeloupe par des actions concrètes. J'en veux pour preuve, donc il faut savoir que la ville des Abîmes est la ville où il y a le premier parc de niveau haute qualité environnementale dans la France non continentale. C'est le sixième parc dans l'ensemble français. Et c'est le seul de la Caraïbe qui a cette qualification ISO 14001. La deuxième chose, c'est que nous nous sommes projetés pour mettre en place autour de la maison de la mangrove, la maison de la mangrove, maison Taonaba, nous avons mis en place un certain nombre de pratiques d'agro transformation, la remise en place des filières de canne biologique pour faire en sorte que le projet d'agroparc il puisse être alimenté par ces filières et faire en sorte que nos produits qui ont une forte valeur ajoutée puissent prendre tout de suite l'avion et se retrouver chez Fauchon. J'en veux pour preuve l'exemple du café Vanibel. C'est un produit à forte valeur ajoutée, mais il faut que derrière, la puissance politique puisse mettre en place les moyens, avec une chaîne logistique rapide, pour faire que ces produits-là puissent se trouver dans les plus grandes épiceries fines au monde. L'écologie, ce sont des actions pratico-pratiques. Nous avons mis en place un agenda 21 avec un certain nombre de mesures. Nous avons publié et remis à l'ensemble à 3000. Monsieur Boucard, on n'aura pas le temps de tout déballer. Allez, oui. On va revenir. De toute façon, on vous fera revenir, Monsieur Boucard. On refera une émission beaucoup plus large avec ce mouvement Le Pari. J'aimerais juste un petit mot de conclusion concernant M. Mathias et les invités du plateau, et on termine avec Greg. Très rapidement, en 10 secondes. Ben, en 10 secondes. Simplement, avant M. Mathias, inviter la jeunesse guadeloupéenne à venir discuter avec nous demain à 18h au restaurant en Canada. Nous avons un rendez-vous avec la jeunesse guadeloupéenne. Voilà, c'est la dernière idée que je voulais faire passer, cher Alain. OK. Merci beaucoup. Mathias, en 10 secondes. Une petite 10 conclusion. Secondes, nous avons beaucoup. Non, mais cette émission a été très instructive. Je remercie Greg de nous avoir éclairé sur le sujet. Et cela prouve encore que nous avons beaucoup de combats à mener ensemble pour les jours à venir et les années à venir. Donc, moi, je suis là. Monsieur Beauchamp, 10 secondes. C'est... je ne veux pas tirer une conclusion. Hein. On est en plein débat. On a commencé un débat. Et puis, je crois qu'il faut qu'on nous reprenions une chose. C'est qu'il faut que nous sachions tous ensemble, nous mettre ensemble
et mettre ensemble à la fois nos accords et nos différences pour avancer et sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Bien. Monsieur Spéonel. Monsieur Spéonel, à 10 secondes. Au niveau de mon actionnariat social, c'est que le débat aujourd'hui en Guadeloupe n'est plus politique. Pour un certain nombre de raisons, on ne va pas développer, mais ça fait longtemps que les politiques sont dépassées. Le débat aujourd'hui, il est pratico-pratique. Ce n'est pas un débat de visibilité, c'est un débat de lisibilité, à savoir comment on va faire pour arriver à notre visibilité. Monsieur Greg-Germain. Est un moyen d'avoir cette lisibilité, cher Raphaël. Monsieur Greg-Germain, le mot de la fin avec toi. Allez, c'est bon, ça va? Oui, ça va pour Monsieur Greg-Germain. Oui, c'est vrai. Merci de me donner ces 10 secondes. Je suis d'accord, nos accords, nos différences, mais aussi nos expertises. Absolument. Je pense que Françoise, le combat est perdu, mais il a ouvert un débat. Et ce débat-là, quand les combats sont perdus comme ça, lorsqu'ils sont bien menés, ça débouche sur autre chose. Le changement de paradigme dont parlait M. Boucard, nous allons continuer à le travailler. Merci aussi encore de m'avoir permis de m'exprimer devant la population guadeloupéenne, ce que je ne fais jamais, évidemment, puisque j'habite loin, que François va disparaître. Peut-être que Canal 10 pourra l'avantage. Il y a... Mais tu as toute ta place. Merci, Greg. Tu as toute ta place. Nous avons été très attentifs. Il y a beaucoup de choses à nous apprendre. Merci, Alain, c'est la fin. Merci, M. Beauchamp. Merci, M. Canal, François. M. Mathiasin, et la rediffusion. La rediffusion demain, 5h30 heure locale. Du matin ? Ouais, 6h du matin. 5h30 du matin. 5h30 et dans l'Hexagone, ça sera 11h30. Donc, vous allez pouvoir revoir l'émission. Et nous vous disons déjà à dimanche prochain pour une nouvelle émission de Mac Canal avec d'autres invités. Et ça sera toujours si chaud. Greg, tu reviens quand tu veux, Max, quand tu veux. Et les autres. Ok, merci, avec plaisir. Nous graffons des c'est Zieri Lâche. Okay. Merci, à bientôt. C'est bon.